Allez, Gigique. Gigique. Alors, vas-y, tout à l'heure, les gens sont morts. En plus, la chasse va durer longtemps. Bon, ready? Yes. La clé, vous l'avez prise. Ok, let's go. Bon, okay, je vais au sous-sol voir s'il y a un carte de tarot ici, Clément. Ah bon, putain, je l'ai pas vu. Là. Je l'avais pas vu. D'accord, non, je vais pas regarder ici en fait. Ok, Locker sont à la salle du bas. Condamné. Compteur. Oh, 3 degrés. Compteur à la cave. J'ai aussi du 3 degrés en bas. Hein. Ah ouais. C'est bon, allumé. Ah, c'est bon, c'est chez toi. On y va. À l'entrée. Oh, il est à l'entrée. Oh non. Directement à gauche. Non, pas l'entrée. Ah, ouais, l'entrée ici, gauche. Là. Entrée gauche, ça va. Ouais, là. Bon, ça va. C'est chiant, mais bon. Enfin, j'ai du 1 degré, donc je sais pas si. Oui, 1,2, c'est confirmé. C'est là. Ok, 0,9. 3. Je cherche une herbs. Ok, je vais te mettre une petite caméra ici, Gigik. Vous pouvez commencer à mettre du sel. Le sel. Tu fais du coup le sel photo? Ouais, je fais un coup du sel. Sel photo, spirit box, tout ça. Je mets crucifix, micro. J'adore quand la salle était juste à côté comme ça, très rapide. C'est arrivé, tu jettes tout, t'es en mode vas-y, let's go. C'est où? C'est dans le. Non, j'ai même pas suivi. Non. Salle de gauche à l'entrée. Gauche de l'entrée. Okay. Je mets un capture sonore. Juste là. Tu nous fais un coup de spirit ou quoi? Ah, oh, sinon je le fais si tu veux. Vas-y, vas-y. Allez, moi je l'ai pas sur moi, je t'avoue. C'est vrai que je le fais jamais là, mais je vais mettre un livre fantomatique. Faudra mettre une caméra sur pied, un DOTS si tu peux, Tommy, en attendant. Ah non, il a coupé. Oh putain, fait peur. MF4, il m'a craché dessus. Ah oui, je viens de l'entendre. Et il y a bien les empreintes de pas, donc c'est pas un spectre. C'est notre spectre. Quel âge avez-vous? Donnez-moi un signe. Comment vous appelez-vous? On sait comment il s'appelle. Putain de merde. Thomas Rook. Comment êtes-vous mort? MF4. Ah, il m'a craché dessus. Il a pas parlé là? Non, il m'a craché dessus. Ah. Je pense que t'as. Comment êtes-vous mort? Quel âge avez-vous? On va les tester plus tard. Hein. Il est derrière ou pas? Il a pas marché. Hein. Ah si, il a marché ici, j'avais pas vu. Ah mais. Est-ce que cette lumière m'a empêché de faire de la spirit box? Tu veux retenter un petit coup de spirit box, Tommy? Ouais, ok. Parce que je crois que la lumière. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Est-ce que c'était la lumière du salon ou. Bah non, mais c'est ça. Je crois qu'elle était allumée. C'était dans le noir. Hein. T'es sûr? Non, ah, il a parlé. Non, et eh ben non, cette lampe était allumée quand je l'ai fait, et c'est pour ça qu'il a jamais répondu. C'est pour ça que j'ai eu un doute, j'ai bien fait de te le redire. Je le sentais, monsieur. Donc Spirit OK alors? Ouais. Spirit OK. C'est un Pokémon. OK. Pardon. Bâton d'encens, échapper une chasse, santé mentale. D'accord, donc on a vraiment rien à foutre que juste le trouver quoi. DOTS, je l'ai vu aussi. OK. Yokai, Diogène, Spectre, Fantôme. Donc Spectre, on dit que non. Puisqu'il Spectre, ça a été pris en photo, voilà. Donc non. Fantôme, Yokai ou Diogène. Faut se balader avec un appareil photo si jamais il pop le fantôme. J'espère que c'est pas un Diogène parce que pour se planquer ici, enfin pour se courser ici. Ah, pour les esquives, c'est pas facile. Pour l'esquive d'un Diogène ici, ouais, j'avoue, chaud. Vous allez pouvoir tourner autour du canapé. Bon, le Diogène, il est censé attaquer à 40%. Hein. Yokai, chiant parce que ouais. Faut parler. Et fantôme, bon, appareil photo, voir un petit peu ce qu'il fait. Et alors, l'appareil photo, le fantôme, il y avait quoi avec si? Il disparaît longtemps. Il disparaît longtemps, c'est ça. Oui. Oui, il disparaît très longtemps pendant les périodes de chasse. Oh putain, ça va être chiant quand même. Hein. Autour de la voiture du garage, bah il faut voir, hein, parce que ça dépend où est-ce qu'il apparaît quoi. Mais ouais, garage, ce serait pas mal, faut l'emmener au garage. De toute façon, il faut qu'on fasse descendre notre santé mentale, donc. Oula! Non, il y a apparition, faut le prendre en photo! Ah merde, putain, il est parti. J'ai pas, je suis au sous-sol. Tu peux prendre de l'encens et moi je continue de jouer photo. J'ai l'encens, ouais. Je vais pas vous planter. Safe spot, deuxième couloir. Ok. Au fond là, enfin le placard du deuxième. Ici. Ok. Je sais pas ce qu'on a d'autre. T'as trouvé l'os ou pas? Os, photo, tout ça, c'est bon. Ok, parfait. Diogène, il mettra du temps avant de nous attaquer. Ah, ici aussi, on peut se planquer là. Où ça? Ah ouais, okay. Là, ici, là derrière, on en a deux. C'est bien, on a du choix. Ouais, le Diogène, on l'a eu plusieurs fois. Il apparaît mais. Photo. Il est où? Je sais pas, je le vois pas. Prends la photo au pif. Il est dans le mur. Là, en face de moi, transparent. Interaction. Et yep. Fantôme. C'est bon. Putain, il est pop transparent tôt, comme ça. On va voir pendant sa chasse. Il est censé être invisible, mais il est déjà invisible. DOTS, ouais, donc déjà... il est toujours dans la salle. Ok. Ouais. Faut mettre une cale à la porte d'entrée. Putain. C'est trop un mème à faire, ça.
Personne l'a jamais fait. Parce qu'en vrai, ce que tu dis, c'est du génie. Tu mets ça sur Twitter, attends, tu mets juste une photo avec un calporte et tu dis j'ai trouvé la solution. Voilà. J'ai trouvé la solution à Phasmo, vous êtes trop nuls. Je mets un encens à l'entrée, comme ça, ça cale. Suffisait d'y penser. On rend trop con. C'est chiant parce qu'il y a une... Attaquer. Attends. Je vois plus le DOTS depuis un moment. Depuis que vous l'avez vu. Et il marche dans le sel. Ok. Ouais, mais on voit une forme quand même. C'est pas... Non, mais rien ne les bloque. Enfin, je veux dire, les développeurs, on fait en sorte que rien ne puisse bloquer une porte parce que c'est quand même la feature principale. T'imagines. Tu mets une caméra à trépied et elle peut plus se fermer. Les mecs en mode, j'ai jeté de l'encens, c'est bon. Elle éclenche beaucoup de portes. Elle vous popait à la gueule, Gilbert, hein, c'est sûr. Il met du temps, hein. Ça sent le déogène. Et si c'est un déogène, On est dans la merde. Est-ce que le garage serait pas une... Putain, il y a un fantôme dans... Là, ici. Ici, le... Garage, c'est pas mal, hein. Ouais. Mais bon. Après, je me dis, on se met dans le garage, ou dans la cuisine, voilà. Si c'est pas un déogène, bon, on lui met un coup d'encens, et puis de toute façon, on validera les objectifs, et on monte à l'étage. Si c'est un déogène, on court. Donc en fait, c'est quand même plus safe de partir d'ici, hein. Viens, au sale. Putain, mais il a déclenché de super loin. J'ai pas d'appareil photo, hein. J'en ai une balle, j'en ai un. Sur ah, putain, oui. Ça vient. C'est les fantômes qui entrent comme ça, non? Normalement, oui. C'est loin, quand même, hein. T'as pris en photo, Clem? À prendre en photo, quoi? Là, l'eau sale. L'eau sale, pardon, je sais plus. Par contre, effectivement, ça met un peu de temps, sachant que vous avez pas repris de pilule. Il est où? Il est où? Il chasse, je sais pas. Ah. Attendez qu'il arrive et on lui met un coup de... Là! C'est un déogène. C'est un déogène. Ouais. On a bien fait de rester ici. C'est un déogène. Il a mis du temps à attaquer, hein. Alors on lui met de l'encens parce que de toute façon on est obligé de. Allez-y, moi je suis derrière. Voilà. Oh. Putain, mais t'as eu du cul. Donc la vache. On peut pas lui échapper. Reste dans la grande salle. J'ai eu un énorme cul là quand même. Restez. C'est qui chasse? Attention, il peut changer d'objectif. Un tel niveau que je passais plus la double porte. Il s'est retourné sur moi. Ah merde. Attention, hein. En même temps, t'étais tout prêt. Oui. Bah, c'est. Oh, toi aussi, Clem. Il a pris ma tête et il a fait un 3-6. Hein. Tourne autour du canapé, peut-être. Ah ouais. Putain, mais j'avoue, on aurait dû faire ça direct, on n'y a pas pensé. J'ai pas pensé au canapé, je t'avoue. Bah, c'est pas grave, nos cadavres à force ont bloqué le chemin. Hein. J'avoue. Bah, du coup, je lui ai donné 30 secondes supplémentaires de chasse. Il est bien, là. Pas besoin d'une cale pour la porte, juste un corps, hein. C'est bon. Ah mais du coup oui, bah du coup faites en sorte qu'une équipe échappe au fantôme pendant une chasse. Bah ouais. Ah merde ouais. Zizik. Oh, bah du coup on va tourner dans le canapé, c'est bon. Allez Zizik. Zizik. Oh vas-y vite alors, les gens sont morts. En plus la chasse va durer longtemps. Oh putain, attends, j'essaie de choper le... Oh merde. J'ai fait exprès de mourir. Non c'est faux. Alors, faites en sorte qu'un membre de votre équipe. Mais par contre, tu viens d'y. Oui, je suis ton ami. Ouais, je sais, mais. Ouais, mais t'as juste. L'objectif, pourquoi il a pas été validé? Tu viens bien d'échapper à ça. Oui, mais parce qu'il y en a deux autres qui n'y ont pas échappé. Ah merde. Eh ben oui, ils sont morts, donc. Et il faut qu'on tourne tout. Après, si tu veux, pour la. Ouais, mais de toute façon, t'es obligé de venir pour la santé mentale, donc. Pour la santé mentale, après, oui. Ça clignote. Ah, par contre, les cartes de tarot. Où est-ce qu'il va popper? Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il pop dans notre. Bon, oh, remarque. Ouais, bah, on crèvera. Les cartes de tarot. Si. Ah oui, les cartes de tarot, je peux vous raise. Ah oui. Oh, ah oui. Oui, bon, je m'en vais alors. Non, non, attends, bah, non, si jamais, attends, c'est pas. Si jamais JX se cache à l'étage et que le fantôme te voit, est-ce qu'il va pas te chasser toi ou alors est-ce qu'il va avoir un coup de folie et va chasser JX? S'il va à l'étage, elle est morte. Hein. Et bah, il peut capter le plus proche. Ouais, non, le mieux c'est qu'on reste ensemble pour un déogène. Non, ok. C'est plus safe de rester ensemble. On va juste tourner autour du canapé. Ouais. Oui, je suis ton ami. Oui, nous sommes dans la nuit. À gauche, tu tournes à droite, on fait le sens des aiguilles d'une montre, inverse. En fonction de ce que le fantôme choisit pour toi. Oui, je suis ton ami. Par contre, cette petite table, elle nous fait chier là. Oui. Alors fais attention, ça c'est ta difficulté, Gigic. C'est pendant que tu cours, fais bien attention de coller au canapé. Chasse. Le voilà. Alors on va partir en fonction de là où il va. Il va à droite, donc on va à gauche. Voilà. C'est bon, Gigic. Oui, je suis ton ami. Tu.
Oui, c'est pas notre ami. Il nous course dans la nuit. Il ne faut pas rester près de lui. Car nous ne sommes pas son ami. Tu. Le fantôme, il est vénère. Il veut casser notre grand-mère. C'est bon. Oh putain. Bien joué, Gigic. Oh putain, sauvé par le. C'est bon, on a tout validé. Oh, Gigic, t'as eu un cul, mais. Pas un cul, putain. Oh la vache. T'es mal le fiercos. Je me suis coincé contre la table juste à la dernière minute. Ah mais là c'est ouais. Oh. Je vais jouer au tarot en restant autour du canapé, ça va être très marrant. Le seul truc c'est j'ai vraiment le seum si je tombe sur le pendu, mais je ne peux pas vous abandonner. Je ne peux pas. Donc j'avoue que Gigi commence à c'était pas loin. Il est où le tarot déjà? Il est à gauche, c'est ça? Il est où le tarot? Sur la table, le petit buffet à l'entrée là. Oui, exact. Ah ici ouais. Alors tout sauf la lampe torche. Sauf la lampe ouais. Ok. Oui je suis ton. Ouais je vais pas la refaire mais. Fais me faire avoir hein. Oui. Je l'avais dit que la petite table là, j'ai des. Ah oui, j'ai ma caméra qui a planté, dis donc. Réinstalle le software. Vas-y, tire une carte. Ah non, sinon tu tombes que sur des foules pendant une chasse. Ah ouais? Ah oui. Ah, je savais pas. Ah, c'est que foules. Ah, je savais pas, ok. C'est pendant une chasse, si tu tires une carte, tu tomberas que sur des jokers. Ah oui, la caméra elle a carrément planté, je vois même plus le fantôme dessus. Il va me cracher dessus. Ah non, il s'est trompé. Mais j'ai vu le truc partir. The Devil. Alors par contre, pendant The Devil, je vais pas tirer parce que si je me prends une chasse, ça peut être chiant. On remarque, c'est un déogène. Par contre, faut arrêter que The Devil, quoi. Oh, j'ai reste quelqu'un. Oui. Putain, c'est moi. Reviens vite, reviens vite, reviens vite. Go canap. Merde, je vois rien. Il y a une lampe là par terre. Cours, 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 cours. Allez, sors si tu veux. J'ai sauvé Clem. Oh, putain, merci. The wow, Sun. Génial. Oh, j'ai remis toute ma santé mentale. Incroyable. Ah, oh, ça fait bizarre, j'ai eu une musique divine d'un coup dans les oreilles. Oui, oui, bah oui. Avec un. Oh, le bâtard. Oh, les Devil par contre. Par contre, je tiens à te dire que le DOTS est sur toi hein, actuellement. Donc, je suis pas sûr qu'il ne pop pas sur la tronche. Oui, il est sur moi parce que justement, je l'ai fait apparaître ici. Donc, s'il lance une chasse, ouais, il apparaît ici. Après, j'ai le temps de me décaler et c'est bon. D'accord, ok. Wheel of Fortune, je suis full santé mentale. Full santé mentale. Bon, désolé, j'en ai sauvé qu'un, mais déjà. Pas mal. Désolé, Tommy. T'imagines, t'as deux High Prêtress. Ouais, bah, je crois que c'est possible. Bah, c'est qu'un taux de pourcentage, donc oui, c'est possible. Mais c'est juste ouais. Que le pourcentage est tellement faible. Mais c'est quoi, il devrait faire dans l'ordre? Le premier d'abord. Nous avons récupéré l'aimant dénommé Atlantica. Je me suis dit, ça vient d'où cette. Oui, j'ai cru que c'est du jeu aussi. Gigi, tu sais comment. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ceci? Mais fin de Dieu! Mais Jésus, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Bah désolé Tommy, mais j'ai été jusqu'au bout, j'ai eu peur du Hanged Man, mais j'y suis allé. Alors du coup, Diogène, on est sûr. Hein. Ah ouais, c'est un bon Diogène, une bonne diarrhée là. Et Gigi qui a couru avec nous. C'est bien, le Diogène, ça fait participer Gigi à chaque fois, hein. Moi j'adore. Mais j'aime pas, t'es gentil, mais non, il faut pas non plus exagérer, je ne tirerai pas les cartes, non. Non. Tu viens Clem? Il est resté bloqué à l'entrée. Ah oui, pardon. Après, là-bas, il y a un buffet à volonté avec des tartines de pâté et du barbecue. Ah voilà, qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il est pas. Pourquoi le gars. Il est resté bloqué devant l'entrée. Je vous ai déjà parlé de mon barbecue. Non, mais c'était pour répondre à quelqu'un. Oui, je suis ton ami. Et c'est un Diogène. On se fait masse moula, hein, pour ceux qui sont pas morts, évidemment. C'est-à-dire moi. Et moi. Ouais, masse moula, ouais.